Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous connecte. Nous avons eu un petit souci, mais nous sommes là pour vous parler de la parole du Seigneur, prier avec vous pendant quelques minutes. Si vous êtes là, merci, manifestez-le, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis pour ce moment que nous allons passer ensemble. Que la main du Seigneur se manifeste. Je prie en ce moment et recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons, Jésus-Christ, que tu étends ta main dans nos vies. Nous voulons, Père, que tu déploies ta gloire sur nous, que tu manifestes ta bonté, ta miséricorde au nom de Jésus. Père, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Que ces moments soient des moments de bénédiction, d'édification pour ceux et celles qui se connectent au nom de Jésus. Bénis également tous ceux qui vont nous suivre après, qui vont suivre également là, cette vidéo juste après les lives au nom de Jésus-Christ. Que la sagesse divine nous soit communiquée, que la bénédiction de Dieu nous soit donnée pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Je vous bénis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, vous qui êtes connectés. Nous voulons passer un bon moment dans l'écoute de la parole de Dieu. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui va vraiment vous bénir, qui va vraiment vous aider. Donc, nous sommes en train de parler de détruire les cycles sataniques. Nous parlons de détruire les cycles sataniques. Détruire les cycles sataniques. Donc, nous voulons parler de ça. Je ne sais pas si vous êtes là. Alors, si vous êtes là, branché, connecté. Alors, s'il vous plaît, une seule chose qu'on va faire, c'est partager la vidéo auprès de nos amis et connaissances sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ce serait une bonne chose de partager, s'il vous plaît. Si vous pouvez le faire, ce serait très bien. Très apprécié. Donc, partagez, partagez, partagez. Aussi, j'aimerais vous demander de commenter, de liker, d'échanger, d'écrire, de poser des questions par rapport à ce que je vais dire. Je ne serai pas long, donc je dois finir à 20h pour permettre à tout le monde, surtout ceux qui sont en Europe, de se reposer. Que le Seigneur soit béni. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, à partir du premier verset. La Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La souffrance, l'oppression dura 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes. Dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, Madian avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous êtes connectés, partagez la vidéo, invitez les gens, envoyez les liens à certaines personnes. Et je sais que Dieu va nous parler. Nous parlons de cette histoire de détruire les cycles sataniques dans nos vies, dans nos familles. Lorsqu'on parle d'un cycle, on parle d'une série d'événements. Une série d'événements qui se répètent régulièrement dans le même ordre. Je répète, lorsqu'on parle d'un cycle, on parle d'une série d'événements
qui se répètent régulièrement dans le même ordre. C'est une série de choses. Et ici, le cycle satanique, c'est une série d'événements qui nous apportent les malheurs, la souffrance, la douleur, et qui se répètent dans le même ordre. C'est ce que les enfants d'Israël ont vécu durant une période. Ils étaient assaillis à gauche, à droite. Ils étaient envahis par l'ennemi, par les Madianites et par les Amalécites. Donc, Israël était malheureux parce qu'Israël était combattu. Dans la vie d'un homme, il y a des choses et des événements qui se répètent souvent sous différentes formes, mais pour un même objectif, pour un même motif. Il y a des choses qui nous arrivent, mais qui ont un seul but. Le même but, c'est de te faire du mal. Le même but, c'est de te tuer. Le même but, c'est de t'amener à arrêter de prier, à arrêter d'aller à l'église, à arrêter de servir Dieu, à arrêter de croire en Jésus-Christ, à arrêter d'être fidèle à ta femme, ainsi de suite. Le diable nous attaque pour détruire ce que nous sommes en train de construire. Le diable nous attaque, il peut multiplier des stratagèmes, des attaques, des tactiques maléfiques pour nous faire du mal, mais son objectif reste le même. L'objectif reste le même. Il veut te rendre malade, il peut passer par plusieurs moyens, plusieurs voies pour te rendre malade. Il veut t'appauvrir, il utilisera tous les moyens possibles pour t'appauvrir. Donc je disais, une série d'événements qui se répètent régulièrement dans le même ordre. Donc quand on parle d'un cycle, c'est une série d'événements qui se répètent régulièrement. Il y a une régularité de la répétition des événements. Je répète, il y a une régularité de la répétition des événements. Donc ça se répète, ça se répète, ça se répète jusqu'à ce que ça va marcher. C'est comme les gens qui jouent à la loterie, ils répètent jusqu'au jour où ça va marcher. Et le diable nous combat comme ça. Le cycle satanique, c'est un cycle qui vient, qui revient, qui vient, qui revient, qui part et puis qui revient encore, qui revient en forme, en force, avec beaucoup plus de stratégies, avec beaucoup plus de pièges, ainsi de suite. C'est le même cycle qui change de forme pour un même objectif. Seuls ceux qui ont l'intelligence et le discernement peuvent ou pourront comprendre à temps qu'ils sont sous un contrôle, qu'ils sont sous une oppression, qu'ils sont dans un cycle d'événements qui ne fait que revenir. Donc, il y a seulement les gens qui ont le discernement, parce que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Et des fois, je peux vous assurer que même moi, en tant que serviteur de Dieu, je me suis rendu compte de certaines situations de ma famille avec les années. Ce n'est pas directement que j'ai compris beaucoup de choses. Des fois, les gens ils vont nous voir, moi prêcher, ou bien mon frère pasteur fidèle, ou bien mon grand frère prêcher. Ils vont juste voir que nous disons les mêmes choses, pratiquement les mêmes vérités. Oui, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment ça. On a compris ça. On n'a pas compris ça le même jour. On a compris ça progressivement. C'est en suivant le parcours familial, c'est en observant les choses dans notre famille que j'ai pu comprendre ce que l'ennemi a voulu faire dans nos vies et dans ma vie en particulier. Donc, on a pu comprendre ça progressivement. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre pour que vous puissiez vous aussi sauver vos vies, sauver vos familles. Et cette vigilance que nous allons vous partager va beaucoup, beaucoup vous aider à protéger vos familles. Le monde fonctionne avec des cycles des saisons. Le monde fonctionne avec des cycles solaires. Et dans les études supérieures, on peut parler aussi des cycles. Cycles supérieurs, ainsi de suite, qui sont des étapes pour atteindre un niveau. Donc, pour aller dans certaines dimensions de bénédiction, de grâce ou de prospérité, vous devez quitter quand même les cycles des malheurs, les cycles de servitude, les cycles de contrôle satanique, ainsi de suite. Parce que si vous ne quittez pas ces cycles, vous tournerez en rond et vous n'atteindrez jamais le plein potentiel que Dieu a mis en vous. Vous n'atteindrez jamais la potentialité, n'est-ce pas, que Dieu a mis en vous. Vous n'arriverez pas à réaliser tout ce que Dieu a mis dans votre esprit. Donc, un cycle, c'est une série de phénomènes, d'événements, de transformations, de,
se produisant périodiquement dans un ordre déterminé et pouvant se répéter indéfiniment, dont les cycles peuvent se répéter sans arrêt. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes qui sont sous, n'est-ce pas, un cycle démoniaque, un cycle satanique. Ces gens-là vivent des malheurs, des malheurs, des malheurs. Et il y a même d'autres qui se demandent pourquoi seulement moi, pourquoi seulement nous, pourquoi seulement ma famille, pourquoi ma famille vit comme ça, pourquoi ma famille ne trouve pas la paix, le repos. Il n'y a aucun repos, il n'y a que problème. On sort de ces problèmes, on entre dans un autre. On sort de pleurer, on entre dans un autre cas de pleurs. On sort d'une douleur, on embrasse une autre douleur. On sort d'un souci, il y a un deuxième plus grand souci qui arrive. Donc il y a des gens qui vivent comme ça. Et plusieurs ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur vie. Vous allez voir des gens qui sont conscients de ce qui se passe dans leur vie, qui est la nuit. Lorsqu'ils veulent monter au lit, c'est là qu'ils se rendent compte que ah, je suis fragile, je peux mourir comme mon cousin était mort. Comme ma tante était morte, comme mon père est mort, je peux mourir, comme ma mère est morte dans le sommeil. C'est vraiment dans ma famille. Les gens meurent souvent dans le sommeil. C'est là qu'il va se rendre compte que dans sa famille, les gens meurent dans le sommeil. Mais avant ça, il ne se rendait pas compte. C'est là qu'il va comprendre qu'il peut mourir s'il s'hasarde à rêver, à blaguer, à continuer à se comporter comme quelqu'un qui n'est pas conscient, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans sa famille. Donc, très important, frères et sœurs, que nous comprenions l'existence des cycles. Les cycles existent. Les cycles des malheurs existent. C'est aussi une série de changements d'un système qui le ramène à son état initial. C'est encore une série d'opérations, d'actions ou de faits constituant une succession ordonnée de phases à l'intérieur d'une évolution. Il y a des gens qui vivent des malheurs sur malheurs. Au lieu d'évoluer vers le bonheur, et ils évoluent vers la souffrance, vers l'opprobre, vers la malédiction, vers les maladies. Maladie telle, maladie telle, maladie telle, maladie telle. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous exhorter en 45 minutes sur ces cycles sataniques qu'il faut détruire. Il ne faut pas laisser l'ennemi vous imposer ou vous introduire dans certaines maladies. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies, dès que vous les avez en vous, ça vous engage dans un cycle de maladies. Vous serez dans un système de maladies, 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 maladies. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent comprendre le mode opératoire de Satan. Donc, si vous ne comprenez pas le modus operandi du diable, le diable fera en sorte que vous puissiez tomber soit dans la dépression, dans les soucis, parce qu'il sait que les problèmes d'estomac peuvent engendrer d'autres maladies. Et le diable peut partir d'un rien pour engendrer plusieurs autres maladies, antennes qui seront autour de la première grande maladie. Ainsi, vous n'allez pas sortir de là. Vous serez comme dans une série de malheurs, une série de souffrances. Lorsqu'on veut sortir, il y a une autre série qui arrive, il y a l'autre épisode qui s'ajoute, ainsi de suite. Comment savoir si l'on est dans un cycle satanique? Comment savoir qu'on est dans un cycle satanique? Il est demandé à chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, de toujours avoir le temps de s'examiner, le temps d'observer, le temps de questionner l'histoire familiale. Très important, je répète, il faut s'examiner, il faut examiner sa vie, s'examiner personnellement et questionner l'histoire familiale. J'ai suivi un film, ça fait des années, je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi ce film. Une jeune fille s'est mariée avec un monsieur, un film américain. Elle s'est mariée à ce monsieur, arrivée dans le mariage. Son gars lui dit les jours de noces que nous allons faire un jeu en famille. Et chaque année, chaque fois que quelqu'un s'est marié dans notre famille, sa femme a participé dans ces jeux. Et ces jeux, tu dois réussir. Si tu ne réussis pas, on va te tuer. On va te courir après et tu risques de mourir. Si la famille, dans la nuit, n'arrive pas à tuer la femme, l'esprit qui a imposé ces jeux dans la famille, cette alliance dans la famille, va commencer à les tuer. J'ai regardé cette série, j'ai dit, mais c'est trop démoniaque. Ce film plutôt... Je me suis dit, mais qui a eu l'inspiration de ça? Et ça prouve combien les familles
familles sont dans les ténèbres. Et ça, c'est même pas les Africains, ça, c'est même pas les Noirs. Ça, c'est des Blancs américains. C'est juste pour vous montrer que le diable opère partout, que ce soit chez les Indiens, que ce soit chez nos frères de Maghreb, nos frères musulmans, ou je sais pas moi, nos frères européens, américains. Le diable est partout chez les Noirs, les Afros. Le diable est partout. Il faut juste comprendre comment est-ce qu'il opère, comment savoir si l'on est dans un cycle. À chaque fois que vous allez chercher du travail, vous avez la même chose qui se répète, qui se reproduit. Si on vous engage, vous n'avez jamais dépassé 3 mois dans une entreprise. Vous n'avez jamais dépassé 3 mois. Il y a une de nos sœurs, je ne sais pas si elle est en ligne, elle est très intelligente, Dieu l'a bénie, elle a étudié, elle a fait des hautes études, très intelligente. Mais à chaque fois qu'elle avait un travail, elle perdait le travail. Je vais poser la question, ma sœur, est-ce que tu as fait quelque chose? Pasteur, je n'ai rien fait. Mais regardez ce qui se passe, suivez-moi très bien. Cette sœur, à chaque fois qu'elle commençait à s'établir dans une entreprise, dans son nouvel emploi, un rêve arrivait. Parce que le cycle de malheur peut se manifester toujours par un élément déclencheur. Il y a toujours un élément déclencheur pour un cycle. Et vous devez déceler cet élément, vous devez détecter cet élément, vous devez trouver cet élément. Cette sœur faisait toujours un rêve où elle s'est retrouvée comme dans des poubelles. Elle s'est retrouvée dans des poubelles, tout le temps dans les poubelles. Je ne sais pas si elle mangeait ou bien faisait quelque chose, mais elle était tout le temps dans des poubelles. Vous savez, des poubelles comme des poubelles, vraiment des poubelles, la saleté, elle s'est retrouvée dans ça. Et à chaque fois qu'elle commençait à s'installer bien dans une entreprise, les rêves arrivaient. Les rêves atterrissaient en elle et elle s'est retrouvée dans une poubelle. Dès qu'elle voit qu'elle est dans une poubelle, c'est fini. 2-3 jours après, on doit la mettre à la porte. Une fois, elle est venue me dire, « Pasteur, j'ai fait encore ces rêves. » J'ai dit, « Quel rêve ? » ?»« Pasteur, moi j'ai un problème. À chaque fois que j'ai fait ces rêves, je ne suis pas stable. Je perds l'emploi. » Vous savez quoi, frères et sœurs ? J'avais prié pour elle. Elle a perdu l'emploi. Ça m'a dérangé comme pas possible. J'ai dit, Seigneur Jésus, cette sœur est venue me voir. J'ai prié pour elle. Comment elle peut perdre l'emploi, Jésus-Christ? Quand elle m'a dit qu'elle a perdu l'emploi, j'étais dérangé. J'ai prié quand même à la maison. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, pourquoi ça? Parce qu'on n'est pas pasteur pour se réjouir de malheur de nos fils et filles spirituels. On est pasteur pour voir les personnes que nous encadrons prospérer, avancer dans la vie. Et moi, ça m'avait dérangé. Et j'ai commencé à prier encore. J'ai prié pour la sœur. La deuxième fois, je crois, elle est venue encore me voir. Elle a fait encore un rêve parce qu'elle avait eu un autre job, un autre travail. Lorsqu'elle a fait ses rêves, j'ai dit non, cette fois-ci, on va prier. On a prié. Je peux vous assurer que Dieu l'a stabilisée. C'est depuis qu'elle est venue rester à l'église de la promesse, depuis qu'elle a dit je reste, je m'installe, je sers Dieu, Dieu l'a stabilisée. On a pu chasser l'esprit impur, l'esprit d'opprobre qui opérait en elle et elle est stable et ça fait plusieurs années qu'elle est dans cet emploi. Ça fait plusieurs années qu'elle a son travail. Plusieurs années. Regardez comment Dieu peut stabiliser quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis fier d'elle. Elle est très intelligente. Dieu l'a stabilisée. En tant que pasteur, nous, ça nous encourage. Ça nous encourage de voir qu'on a pu prier pour quelqu'un. Dieu a répondu, Dieu a fait quelque chose. Frères et sœurs, qu'on le veuille pas, ça nous encourage. Et c'est pas l'argent qui nous encourage. Ça, les témoignages de ce que Dieu fait dans les vies des gens. Même si quelqu'un allait passer par une opération, et nous savons que cette opération peut le conduire à la mort, mais nous avons prié, la personne est sortie de l'opération vivante. Ça nous réjouit parce que c'est pas le médecin qui garantit la vie, c'est Dieu
qui protège, qui sécurise, qui guérit. Le médecin a intervenu, mais Dieu a protégé la vie de notre sœur ou de notre frère. Très important, frères et sœurs, ne négligez jamais certains signes précurseurs, certains signes qui annoncent un malheur, certains signes qui parlent. Ne négligez jamais des signes. Soyez observateurs, observatrices. Soyez vraiment vigilants, s'il vous plaît, avec vos enfants, avec votre couple, avec votre femme, votre mari. Il y a des choses qui se reproduisent pour vous donner des signaux qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Et il faut comprendre, lorsque vous voyez certains signes, comprenez que le cycle veut reprendre le contrôle de votre vie et vous devez briser les cycles sataniques dans votre vie. Ne laissez aucun cycle de malheur prendre le contrôle de votre maison. Ne laissez pas les cycles de problèmes, de pleurs, de souffrances, d'échecs prendre le contrôle de votre vie. Non, ne l'acceptez jamais. S'il vous plaît, ne laissez pas les cycles de troubles. Un cycle qui fait en sorte que à chaque fois que vous commencez à parler bien avec votre mari, à chaque fois que les paroles d'amour commencent à jaillir de la bouche de votre mari, vous sentez que votre mari vous aime. Vous sentez qu'il commence à être plus tendre. Il n'a jamais été tendre. Il commence à être vraiment un homme normal, tendre, attentionné, machin, tout. À chaque fois qu'il veut devenir tendre, l'incompréhension jaillit. Une femme m'a vu, elle m'a dit, pasteur, je suis très amer, j'ai des réponses, j'ai une insolence satanique. J'ai dit, comment ça? Elle dit, je ne sais pas pourquoi je suis insolente. Je ne sais pas pourquoi je réponds mal à mon mari. Je ne sais pas pourquoi je suis agressive verbalement. S'il me pose une question, je réponds mal, je réponds tout le temps mal. Après, je me culpabilise, mais je sens en moi comme si je dois répondre comme ça. Frères et sœurs, quand le diable prend le contrôle de quelqu'un, il l'influence et il le contrôle. Et à chaque fois, le diable mettra un cycle. Il mettra les cycles pour contrôler. L'objectif d'un cycle est de contrôler une vie, une destinée, un parcours, l'avenir d'une personne. Il n'y a pas de cycle pour cajoler, pour prendre soin de vous. Le cycle satanique a pour rôle de gérer la vie d'une personne, de contrôler la vie d'une personne, de maintenir quelqu'un dans un cercle vicieux, de maintenir quelqu'un en train de tourner en rond sans avancer. Le but du cycle, c'est toujours vous ramener dans la case de départ, vous empêcher de faire les pas. Là où il y a un cycle satanique, les gens n'avancent pas. Les gens tournent en rond, les gens sont contrôlés, les gens sont dominés, les gens sont influencés négativement. Vous allez voir des gens récidiver, reproduire la même chose chaque année. Une de nos sœurs qui a quitté l'église, qui était membre de l'église de la promesse, elle a quitté l'église, une dame très très bien, une dame que j'aimais beaucoup, mais elle a quitté l'église parce que elle a connu des problèmes, tout ça. Et ces problèmes qu'elle avait connus, elle les avait déjà avant de venir à la promesse. C'était quoi les problèmes? Cette sœur, son fils était mort. Quand son fils est mort, ça l'a blessé, ça l'a affecté. Je crois que c'est normal pour une mère, lorsqu'elle perd son enfant, elle est tourmentée, elle est blessée. Elle en était affectée. Alors profondément, elle était tellement affectée de la mort de son fils. Du coup, elle a gardé la chambre de son fils intacte, avec le même habit, le soulier de son fils, les draps, la couette, machin, tout ce qui allait avec sa chambre. À la date de la mort de son fils, elle s'enfermait dans la chambre de son fils, elle s'enveloppait du drap de son fils, elle faisait son deuil pendant 1 à 2 mois. Je sais que c'est douloureux pour elle. Mais il faut savoir que le diable va profiter de votre douleur. Le diable va profiter de votre état de faiblesse mentale. Le diable va profiter de votre état de faiblesse psychologique. Quand vous êtes faible mentalement, sentimentalement, émotionnellement, le diable va profiter de cette faiblesse
Croyez-moi, frères et sœurs, toute personne qui se retrouve à un niveau bas sur le plan émotionnel, à un niveau bas sur le plan sentimental, cette personne devient fragile. Et ce qui vous fragilise, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est la blessure. Vous devenez plutôt vulnérable. Et cette vulnérabilité permet à Satan de vous manipuler, de faire de vous n'importe quoi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pleurent, qui souffrent, qui regrettent toute leur vie parce qu'eux-mêmes ne veulent pas sortir de là. J'ai dit à la sœur, ma sœur, arrête de faire ça. Elle m'a dit, pasteur, je reviens à l'église dans 2 mois. Je vais faire d'abord mon deuil et puis je reviendrai à l'église. Première année, elle a fait ça. Deuxième année, elle a fait ça. Troisième année, elle a fait ça. Quatrième année, elle a fait ça et elle a disparu. Elle n'est plus revenue après le deuil. J'ai tout fait. Elle n'a pas voulu revenir à l'église. Il y a des cycles qu'il faut quitter. Ne vous sentez pas à l'aise dans un cycle de malheur. Ne vous sentez pas à l'aise dans un cycle de pleurs. C'est vrai que la personne est morte. C'est vrai que c'est votre ex, votre frère, votre cousin, votre fils, votre fille. J'ai déjà perdu mon grand frère. Je sais ce que ça fait comme douleur. Mais ne restez pas dans un cycle. Si le mois en question arrive, vous commencez à vous enfoncer. Vous commencez à vous enfoncer. Vous allez mourir tôt. Et le diable est expert en matière de distribuer les chagrins. Je répète, le diable est expert en matière de distribuer les chagrins. Le diable a l'expertise de la distribution du chagrin. Si vous voulez avoir les chagrins, le diable peut bien vous servir. Il vous fournira les chagrins, la dose qu'il faut pour que vous soyez enfoncé dans les chagrins. Si vous voulez continuer à pleurer tous les jours, sachez-le bien que vous attristez le Saint-Esprit et vous favorisez l'atmosphère démoniaque sur votre vie. Et le diable, tout ce qu'il attend, c'est l'atmosphère satanique, l'atmosphère des soucis, l'atmosphère des pleurs, l'atmosphère de se plaindre, l'atmosphère de la colère, l'atmosphère de la haine. Toutes ces atmosphères-là sont des atmosphères démoniaques, propices aux démons. Ce sont des atmosphères qui attirent les démons. Que vous parliez en langue, que vous priez des heures et des heures, si vous vivez dans une atmosphère démoniaque, vous êtes démoniaquement contrôlé, vous êtes démoniaquement envahi. Parce qu'il y a des gens qui aiment des atmosphères comme ça. Ne provoquez pas l'atmosphère des ténèbres autour de vous. Comment savoir si l'on est dans un cycle? C'est en observant sa vie. C'est en observant ce qui se passe dans sa vie, dans sa propre vie. Comment trouvez-vous votre vie? Est-ce que votre vie, ça marche? Est-ce que votre vie, ça marche? Combien de fois vous avez répété la chose? Combien de fois vous avez perdu dans les fiançailles? Combien de fiancés vous ont laissé? Quels sont les arguments de ces fiancés passés? Qu'est-ce qu'ils ont argumenté? Et pourquoi ils vous ont quitté? Pourquoi vous avez toujours une série d'échecs lorsque vous vous approchez, n'est-ce pas, d'un projet? Pourquoi il vous arrive toujours de perdre de bons amis, de bonnes relations? Des bonnes relations. Quelqu'un de bien, mais vous le perdez. Et après, vous apprenez que la personne que vous venez de perdre est nommée Premier ministre, est nommée ministre, est nommée PDG de telle entreprise, est devenue millionnaire. La personne que vous venez de perdre est devenue comme ça. En fait, ce sont des esprits qui veulent vous maintenir dans le contrôle satanique et ils vous font perdre des relations, des bonnes relations. Il y a beaucoup de gens dans la vie, si vous les suivez, vous allez voir qu'ils n'ont pas vraiment la sagesse. Frères et sœurs, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la sagesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le discernement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas lire les temps, qui n'ont pas l'intelligence des temps. La Bible nous dit ici, les enfants d'Israël firent ce qui est mal à l'Éternel.
Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc, quand on parle d'un cycle, il y a aussi une période. Dieu les a livrés pendant 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu les a livrés. Donc, Dieu peut permettre qu'un de ses enfants soit livré entre les mains de l'ennemi afin de punir son enfant. Des fois, les cycles, c'est vraiment la conséquence de nos péchés, de nos actes, de notre rébellion envers le Seigneur. C'est lui qui prend le temps de bien observer sa vie, d'observer sa propre famille, peut arriver à comprendre ce qui se passe réellement et il peut corriger son avenir, il peut corriger sa destinée. Observez votre vie. Prenez le temps de comprendre votre propre famille, l'histoire de votre famille. Qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi Dieu dans la Bible a toujours dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob » Parce que pour Dieu, l'histoire compte. L'histoire compte. Vous avez du sang aujourd'hui, mais votre sang vient de votre père et de votre mère. Ça vient de votre grand-père, ça vient de votre grand-mère, ça vient de ces gens-là. Ça vient des arrière-grands-pères. C'est le même sang qui se mélange, mais qui garde les mêmes particularités à l'intérieur. Donc, il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que la vie est dans les sangs, l'âme est dans les sangs. Et les sangs doivent être bien traités. Il faut vraiment soigner l'âme. Il faut délivrer l'âme. Réveillez-vous, frères et sœurs. Ne laissez pas le diable vous distraire. C'est lui qui ne connaît pas l'histoire de sa famille. Court un grand danger. Vous pouvez beaucoup prier, parler en langue babababa, labrasamaya manda bababa, mais si vous ne connaissez pas votre histoire familiale, si vous ne comprenez pas votre histoire familiale, vous êtes mal barré. Quelqu'un prie avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, donne-moi l'intelligence, Seigneur, accorde-moi la sagesse, j'ai besoin de toi, accorde-moi le discernement, j'ai besoin de toi. Seigneur, guide-moi, Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, à comprendre et à discerner ce qui se passe dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il faut apprendre à prier comme ça. Demander le discernement pour comprendre. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ayons le discernement par rapport à nos vies. J'ai quel âge? Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Pourquoi tout le monde avance, mais moi, pour faire quelque chose que je dois faire en 2 ans, en 1 mois, je peux faire ça après des années. Moi qui vous parle, moi, pasteur Thierry, j'ai vécu des combats terribles. Là où tout le monde va réussir, moi, je vais échouer. Pasteur, serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris le temps de commencer à beaucoup prier pour savoir pourquoi moi-même, serviteur de Dieu, je peux avoir autant de combats. C'est en priant avec des amis prophètes que j'ai découvert ce qui se passait dans ma propre vie. J'ai découvert aussi ce qui se passe dans la vie de certains amis serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes. J'ai compris que, ah Seigneur, nous avons tous des combats. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Mais si nous n'arrivons pas à vaincre nos propres combats, nous ne serons pas là où Dieu nous attend. Nous aurons toujours les retards. Et les cycles retardent les gens. Les cycles démoniaques retardent les gens. Comment vous pouvez être heureux? Comment vous allez construire lorsqu'on vous ramène à vivre dans les cavernes? Lorsqu'on vous ramène à vivre dans de montagnes, lorsqu'on vous ramène à vivre dans la clandestinité, lorsqu'on vous ramène à vivre comme des clochards, comment vous allez construire? Parce que vous avez peur des Madianites, vous avez peur des Amalécites, vous avez peur des Philistins, vous avez peur des fils de l'Orient. Comment allez-vous construire? On ne construit pas en temps de guerre, on ne construit pas lorsqu'on est tout le temps assailli, envahi, attaqué, agressé. On construit en temps de paix et vous avez besoin d'établir la paix dans votre maison, la paix dans votre famille, la paix dans votre destinée. Vous avez besoin d'établir la paix. On ne prospère pas dans les désordres, on ne construit pas dans les dégâts, dans les oppressions.
Il n'y a personne qui bâtit sa vie dans les oppressions. Il n'y a personne qui doit construire dans les oppressions. Ces choses qui nous arrivent doivent être démantelées, détruites, renversées, s'il vous plaît. Ne laissez pas le diable détruire votre vie. Personne n'aimerait souffrir toute sa vie. Personne, je ne vois personne parmi nous, en ligne, Facebook, YouTube, personne qui aimerait échouer dans la vie. Je ne vois personne. Il n'y a personne qui aimerait ça. J'ai prié pour des serviteurs de Dieu. Je peux vous assurer, frères et sœurs, je connais ces choses. Il y a des gens qui souffrent. Vous les appelez des pasteurs, mais eux-mêmes, ils savent que moi, là, je suis pasteur, mais ce que je traverse, ça me prend la délivrance. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, par malheur, excusez-moi, ne sont pas passés par la délivrance, mais qui les regrettent parce que accepter de se faire délivrer, de passer par une prière, c'est très important. Moi qui vous parle, je suis allé à la délivrance, dans des séances de délivrance, j'étais déjà prédicateur parce que je trouvais que ça n'allait pas. Je trouvais que j'avais comme un don de cauchemar. Je dormais, les cauchemars c'était normal pour moi, j'avais les dons de cauchemar. Les cauchemars, c'était un don. Quand je dors, cauchemar. Quand je dors, cauchemar. Quand je dors, cauchemar. Femme de nuit, oppression, m'étrangle, on me court après. Je vois des objets qui me suivent. Je vois des géants, des géants me suivre. Je vois des tigres, je vois des lions, je vois des animaux sauvages, des carnivores me poursuivent, me courir après. J'ai vu des choses impossibles. Alors je me demandais, qu'est-ce qui me reste maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je ne vis que ça. C'était des séries. Si je dors aujourd'hui, on me courait après. Demain, on m'étrangle. Après demain, je tombe d'une falaise. Après demain, c'est une oppression. Je bloque au lit. Donc, tu peux faire toute une semaine, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Une série d'oppressions pendant la nuit. Moi, c'était dès qu'on arrive dans la chambre, les autres commencent à dormir. Moi, je commence à regarder seulement le plafond. Tu comptes le plafond parce que tu as peur de dormir. Mais quand je suis passé par la délivrance, mon Dieu Jésus, quand je suis passé par la délivrance, je bénis le Seigneur pour ma délivrance. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas honte de dire que je suis passé à la délivrance. J'étais prédicateur, je prêchais l'évangile. C'est là que je suis passé à la délivrance. Je ne suis pas passé à la délivrance quand je n'étais rien. Donc, j'étais déjà prédicateur de l'évangile. Mais Dieu m'a permis de passer par la délivrance. Et quand je suis passé par là, je n'ai pas honte de le dire. Ça m'a soulagé. Je ne vis plus ces choses. Depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur vraiment pour ma délivrance. Dieu m'a délivré des esprits qui me dérangeaient. J'ai servi Dieu, mais je vivais des choses bizarres. Vous ne pouvez pas savoir combien. Et les malheurs, c'est que plusieurs serviteurs ont honte. Et par la honte, ils gardent les problèmes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont honte de demander pardon, de demander de l'aide, de demander qu'on les aide, de demander qu'on les soutienne. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et qui font l'erreur de vivre avec certains problèmes. Il y a des problèmes que vous ne réglerez jamais seul. Ça prend un autre serviteur. Et c'est ce qui va arriver dans cette situation. Dieu va envoyer un autre serviteur qu'on appelle prophète qui va venir pour dire à Gédéon ce qu'ils doivent faire. Dieu va faire ça. Il va envoyer un prophète, il va envoyer un autre serviteur, un ange. Donc, il va envoyer un prophète et un ange pour dire aux gens de cette ville ce qu'il faut faire. Il y a des délivrances qui arrivent quand il y a la volonté, quand Dieu voit que vous voulez la solution, vous voulez vivre, vous tenez à la vie. Vous devez vous battre pour ne pas laisser les cycles démoniaques envahir votre vie, détruire votre couple. Vous vous disputez toujours quand il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, vous vous aimez. Mais dès qu'il y a l'argent, incompréhension sur incompréhension. C'est quoi ce cycle-là? Vous allez voir un homme, il est toujours là avec sa femme.
Son cycle satanique, c'est les dépenses. Il y a des maris, il y a des hommes mariés qui doivent savoir que Dieu leur a donné ces femmes-là pour les aider. Vous allez voir un mari très intelligent à l'école, avec deux diplômes universitaires, très incapable de gérer l'argent. Incapable. Donc Dieu, dans son amour, lui a donné une femme qui va l'aider à gérer son argent. Lui, il a beaucoup d'intelligence plus que sa femme. Mais en matière de gérer l'argent, c'est la femme. Vous devez reconnaître que c'est votre femme, la personne que Dieu a mis à vos côtés pour vous aider. Alors, acceptez l'aide de votre femme. Vous ne devez pas laisser votre femme faire vivre, mettre seulement au monde les enfants. Et vous, vous êtes là pour ordonner, commander, gueuler, frapper. Non. Il y a des femmes qui sont très, très économes dans le bon sens, qui sont très intelligentes dans la gestion des finances, dans la gestion de l'argent. Et vous devez accepter ça. Il y a des gens qui sont très dépensiers. Vous allez voir, le diable a mis un cycle sur leur vie. À chaque fois qu'ils ont l'argent, les temps qu'ils arrivent à la maison, il a déjà tout dépensé. Ils touchent 1500, ils dépensent 500 en route. Lorsqu'il arrive à la maison, il ramène des choses, il ramène des fleurs pour sa femme, il ramène des cadeaux pour la femme. La femme lui dit, mais on n'a pas besoin de ça, moi je ne t'ai pas demandé des fleurs. La fleur coûte combien? 80 dollars. Mais pourquoi tu as acheté ce bouquet de 80 dollars alors qu'on a des dettes, on a des factures, électricité, on a la télé, on a les téléphones. Il faut d'abord payer ce qui est important. Quand le diable met le cycle de la pauvreté dans une vie, il fera en sorte que vous soyez un dépensier irréfléchi. Il mettra en vous l'esprit de dépense. Vous allez dépenser sans réfléchir. Vous allez voir quelqu'un qui dépense, il ne sait pas pourquoi il dépense. Il dépense seulement. Je pense que je vais acheter ça. Pourquoi tu achètes des choses sans te référer à la femme? Un homme de Dieu dépensait beaucoup d'argent. Il m'a dit, pasteur, moi quand j'achète mes notes, je cache. Oh, Seigneur. Il m'a dit, je cache parce que si je ramène ça, si ma femme voit seulement et je suis mal barré, elle va me faire un feu. Elle va me créer un problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il achète? Il cache pour que la femme ne voie pas. Si Dieu vous a fait grâce d'avoir une femme qui peut vous aider, acceptez ça. Elle va vous sortir de ces cycles de la médiocrité, les cycles de la pauvreté. Il y a des gens qui réussissent dans leur vie à cause de leur femme. Et il faut accepter ça. Nous les hommes, il y a des hommes aujourd'hui qui doivent savoir que malgré leur intelligence, oh non, tu as des diplômes, oh non, tu es courageux, tu es un homme d'affaires. Toi-même, tu sais que si cette femme n'était pas là, toi, tu es zéro. Malgré tes diplômes, tu ne peux rien faire. Et tu te rends compte que tu es fort parce qu'il y a une femme derrière toi qui te contrôle, qui te gère, qui te protège, qui prie pour toi, qui te conseille, qui t'apporte la force spirituelle. Donc, c'est très important d'admettre l'apport de l'autre. Et même, la même chose aussi pour certaines femmes. Il y a des femmes qui vivent, on le voit vraiment, qu'elle, c'est vraiment son mari. Elle, c'est son mari. S'il n'y a pas cet homme-là, s'il n'y avait pas cet homme dans sa vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle allait devenir. Il y a des femmes qui tiennent à cause de leur mari. Le mari t'aime tellement que il te supporte malgré les cycles des maladies. J'ai rencontré des personnes, des cas de femmes qui ont des cycles des maladies. Des maladies qui ne finissent pas. On a mis une maladie dans une femme pour qu'elle ne puisse jamais se reposer. Elle est tout le temps malade. Ça fait que ça vient détruire sa vie de couple. Ça vient détruire sa vie d'intimité avec son mari. Ça vient détruire sa vie de paix. C'est-à-dire, elle et son mari n'ont plus le temps de vivre ensemble. L'homme est tout le temps fâché.
Parce que la femme est tout le temps malade. Et quand je dis malade, c'est vraiment malade. Elle fait un mois, quand elle essaie de commencer à respirer une semaine, deux semaines, elle reprend encore une autre douleur, sort je ne sais pas où. Elle sait pas. Frères et sœurs, il y a des gens qui vivent sous des sanctions sataniques, des cycles des maladies. Il faut comprendre, quand vous voyez des cycles des maladies, certaines personnes doivent aller chercher les hommes et les femmes de Dieu pour passer à la prière, à une prière de délivrance. Parce que quand vous voyez certaines maladies prendre place, c'est qu'il y a des démons qui sont derrière en train de pousser la personne dans ces cycles des maladies, dans ces cycles de souffrance. Et quand vous voyez ça, entrez dans la prière. Cherchez la prière, cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Il y a des choses qui révèlent qu'il y a un démon, qu'il y a un démon qui se cache derrière. Pourquoi une telle maladie? Je priais un jour à Paris, dans une église, je prêchais. Alors que je prêchais. Il y avait un couple qui était vraiment au bord parce que la femme était malade. Elle avait une maladie bizarre que je ne sais même pas comment décrire. Et cette maladie l'a dérangée et ça dérangeait tellement son couple que ça ne marchait plus dans son couple. Et ces jours-là, pendant que je faisais le ministère, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans la salle. L'Esprit de Dieu est allé toucher cette femme. Vous savez, il y a des délivrances que Dieu peut faire qui ne sont pas propres, hein, qui sont pas propres, mais qui sont des délivrances. Dieu est allé délivrer cette femme là où elle était. Le Saint-Esprit l'a saisi, la puissance de Dieu a pénétré sa vie. Le Seigneur a commencé à corriger son corps. Le Seigneur a commencé à corriger son intérieur. Le Seigneur a commencé à replacer les choses parce qu'elle avait des problèmes, des douleurs, des problèmes bizarres. Alors Dieu a commencé à la guérir. Alors que je priais, je conduisais la prière. Nous étions que dans les temps de prière. Je ne l'avais même pas touché, frères et sœurs. Je ne faisais que déclarer, je ne l'avais pas touché. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a commencé à la corriger, à délivrer, à guérir. Elle est tombée, le Saint-Esprit continue à l'agiter, l'Esprit de Dieu travaillait en elle. Quand elle s'est relevée, frères et sœurs, ce n'était plus la même sœur. Les douleurs sont parties. C'est vrai qu'elle a mouillé ses habits, c'est pas grave, mais les douleurs parties, toutes ces douleurs parties. Dieu a balayé les douleurs, Dieu l'a guérie à l'instant, cette sœur était délivré. Je peux vous assurer combien son mari était dans la joie. Ils m'ont appelé ces jours-là vers 23h. La nuit, c'était un dimanche. Ils m'ont appelé. Le monsieur m'a dit, « Pasteur, vraiment, je dois te rencontrer. Ce que Dieu a fait aujourd'hui et ce que je viens de vivre à la maison avec ma femme. Non, Dieu existe. Pasteur, Dieu existe. Lundi, on avait un rendez-vous avec le médecin. C'est fini, pasteur, on va aller au rendez-vous, mais Dieu existe, pasteur. Dieu existe. L'homme était dans la joie. Il me dit, Dieu existe, pasteur. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu existe. Dieu ne va jamais vous laisser échouer dans la vie. Dieu ne va jamais vous laisser rater votre destinée parce que quelqu'un a parlé. Non, non, non. Le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui peut résoudre vos problèmes. Même lorsque les gens diront que vous avez échoué, même lorsque les gens pronostiqueront, diront des choses sur votre destinée, ce n'est pas grave. Dieu que vous servez, le Dieu qui reçoit vos offrandes, vos dîmes, vos services que vous donnez à l'église, Seigneur fera ce qu'il a prévu de faire pour vous. Gardez la foi, gardez la persévérance, le Seigneur combattra pour vous. Ne baissez pas les bras, frères et sœurs. La sœur a été guérie à l'instant dans l'église. C'était waouh! Ils m'ont appelé avec une joie. J'étais dans la joie. Et je ne saurais pas vous décrire les cadeaux que j'ai reçus cette semaine-là par ce couple-là. Je ne saurais pas vous décrire les cadeaux. Mais et j'ai pris ça avec fierté parce que Dieu les a visités. Ils ont décidé de me bénir. Je n'ai pas demandé. Ils m'ont acheté beaucoup de choses. J'étais dans la joie de voir combien eux aussi étaient heureux. Frères et sœurs, Dieu doit vous sortir d'un cycle de malheur. Dieu
doit vous sortir. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que la fille d'Abraham soit libre. C'est dans la volonté de Dieu que le fils d'Abraham. J'espère que vous êtes là. Je suis désolé pour ce dérangement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes toujours en train de parler de ce sujet. Il faut détruire les œuvres du diable. Prenez le temps d'observer vos vies, vos familles. Prenez le temps d'observer la maison. Prenez le temps de comprendre la maison familiale. Prenez le temps de lire l'histoire de votre famille. Prenez le temps d'observer votre propre vie. Et n'acceptez pas que le diable puisse vous détruire. Je vis le Seigneur agir dans la vie de plusieurs personnes. Et je peux vous assurer que Dieu le fera. Quels sont les signes visibles d'un cycle de malheur, d'un cycle satanique? Il existe des signes visibles qui révèlent qu'il y a un cycle de ténèbres. Il y a des signes qui attestent que vous êtes dans un cycle. Les styles de vie que vous menez, ça révèle une activité cyclique qui révèle ici qu'il y a un esprit démoniaque de contrôle qui vous impose. Remarquez, la Bible nous dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les caverne et sur le rocher fortifié. Ravin des montagnes, caverne et rocher fortifié. Trois endroits d'humiliation. Lorsqu'il y a quelque chose de bizarre qui vous arrive, lorsqu'on se retrouve dans un cycle de malheur, on peut toujours se réfugier dans des choses comme ça. Et il y a des gens qui vont s'habituer aux ravins. Il y a des gens qui vont s'habituer aux cavernes. Il y a des gens qui vont s'habituer, n'est-ce pas, au rocher. Vous allez croire que c'est correct. Ah, moi j'ai vu dans les rochers, c'est correct. Non, ce n'est pas la vie que vous devez mener. Alors j'aimerais poser la question à quelqu'un. Dans quelle vie tu te retrouves aujourd'hui? Quelle est la situation de ta vie? Quelle est la situation de ta vie familiale? C'est quoi la vie que vous menez aujourd'hui? C'est quoi la vie que tu mènes aujourd'hui, mon frère? C'est quoi la vie, ma soeur? C'est quoi la vie? Tu as inspiré confiance aux gens. Ton avenir était clair. Les gens disaient que cette femme, c'est une femme glorieuse. C'est une femme qui ira de l'avant. C'est une fille vraiment intelligente. Elle fera des grandes choses. Mais c'est quoi la vie que tu mènes? C'est une vie de caverne.
c'est une vie de rocher, c'est une vie de ravin. Tu es dans quelle vie? Là où il y a ces trois choses, les cavernes, les ravins et la vie des rochers, ça révèle qu'on est sous oppression. Ça révèle qu'on n'est pas libre. Ça révèle qu'on est sous contrôle. Ça révèle qu'il y a des esprits de contrôle, des esprits ou des forces de ténèbres qui vous assaillent, ça et là, qui vous combattent. Et c'est ce qui arriva au temps de cet homme, Gédéon. Je prie que le Seigneur vous accorde de ne pas vivre dans des cavernes, dans des ravins. Je prie que le Seigneur vous accorde de ne pas vivre dans le rocher. Je prie que le Seigneur vous accorde de jouir de la vie librement. Je prie que le Seigneur vous accorde de bénéficier de la vie selon qu'il vous a donné de vivre. Que personne ne vous intimide. Qu'aucun ennemi ne s'oppose à ce que Dieu a prévu dans votre vie au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu vous localise, qu'elle vous accorde la puissance de réaliser, d'accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Que tous ceux qui parlent la nuit comme le jour contre votre vie tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Je déclare la grâce, je déclare la protection au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la protection sur vous. Je bénis votre famille, je bénis votre vie. Je déclare la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous accorde la puissance, la protection, la délivrance au nom de Jésus. Alors que je déclare en ce moment toute maladie sémée dans ton corps, tout esprit de mort qui opère, je le détruis, je le paralyse au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui parle contre ta vie. Je condamne toute langue qui parle contre ta santé. Mandala brasaya baba. Rokotolobosai. Manda raba konto lobosai. Rekebre keberebesai. Lebrasito robosai. Mandre keberebeko robosai. Mala rebo shinda rebegai. Zande rebe kanto robosai. Ramayando loboskai. Ramayande lebeka robosai. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis, je paralyse tout ce qui n'est pas de toi. Yenda la baraba sedeberebekai. Que le Seigneur vous accorde la victoire sur tous les plans, la victoire sur les œuvres du diable. Vous ne vivrez pas dans les cavernes, tu ne vivras pas dans les rochers, tu ne vivras pas dans les ravins, car ta destinée n'est pas dans ces endroits-là. Que le Seigneur t'accorde de vivre une vie glorieuse, une vie de bénédiction, une vie de gloire. Au nom puissant de Jésus, Yanda Rebesi Kerebesai, Rundo Lobosai, Genda Labasa, Manda Labraka Labasa, Rundo Lobosika, Yanda Rabasito Roboska, Manda Labrasete Rebekai, Ramayako Robosai, Kolobosente, au nom de Jésus, je déclare la protection, je déclare la vie, je déclare la fin des œuvres sataniques, au nom de Jésus. Yondo sakarabaya, le maya kondo robosai, ramayando robosai, mandre keperebe kanto, o rabasanta labakai, yende lebesato robosika, manda rabakoto robosai, manda rabakoto roboska, rabase kerebeka, ramayako robosai, gante rebeka, rundo robosai, yondo robosa kerebe kante. Il y a une sœur qui est mariée, elle a un enfant, mais c'est comme si sa belle-mère, sa maman ne veut pas de ce mariage-là. Elle ne veut pas de ce mariage-là. Alors c'est comme si on enlève la robe blanche à cette femme, on lui donne un sac pour qu'elle puisse porter. On lui fait porter un sac. Dès qu'elle porte ce sac, un trouble entre dans son mariage et l'incompréhension s'installe. Il y a division. Le Seigneur me parle d'une femme qui est là, qui doit chercher à prier par rapport à son mariage parce que c'est comme si sa maman n'aime pas son mariage et ça vient apporter des incompréhensions parce qu'elle ne supporte pas trop son homme. J'aimerais vraiment qu'elle reste dans la prière par rapport à son mariage pour que Dieu puisse mettre la paix entre sa maman et son mari, et qui est la paix dans leur couple.
au nom de Jésus. Je prie dans ce sens-là et je condamne le plan du diable dans cette famille au nom de Jésus. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Rabla Rabba Santé Rebecca. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à tout ce qui n'est pas de Dieu de s'éloigner, d'aller dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ramayando Lobroko Lobo Santé Rebecca. Ramayanda Laba Santa Laba Shike. Au nom de Jésus, alléluia. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Remendo lobo sai. De la braca la basonto lobo shike. Menda la brasai. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Il faut savoir que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Mais c'est le diable qui vient nous détruire. C'est le diable qui vient nous déstabiliser. Randa laba rabasonto loboska. Rondo lobosebe lebrekaya. Tsatsa raisa. Je ne sais pas si tu habites en France. Si tu es en France, on se rend à Paris. Il faut venir, je vais prier pour l'enfant. Je déclare la grâce de Dieu sur sa vie au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux, que Dieu délivre cet enfant, que Dieu libère la grâce sur votre enfant dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis votre enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Que la main de Dieu soit sur votre enfant. Alléluia. Rabba shende lebekai. Ramayande lebe santo lobosai. Brende lebe korobo sante lebekai. Ramande le korobo sante. Yenda labasito robosai. Que le Seigneur se manifeste puissamment dans votre famille, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis à la fin, je vais juste vous donner ma petite conclusion de 2 minutes. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup d'efforts pour sauver leur vie. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup d'efforts pour délivrer leur vie. Vous devez vous battre, frères et sœurs. Vous devez travailler. Vous devez refuser de vivre périodiquement comme sous le contrôle de l'ennemi. Vous devez refuser que le diable puisse vous imposer un rythme de vie de malheur, un rythme de vie de pleurs. En tant que pasteur, j'ai à suivre plusieurs cas. Il y a des gens qui vivent des situations qui ne font que se reproduire. Il y a d'autres qui vivent une série de nervosités à partir d'un mois. Il y a une personne qui m'a dit, « Pasteur, moi, lorsqu'on arrive au mois de juillet jusqu'au mois d'août, je suis toujours en colère. » Comment quelqu'un peut être en colère? Il sait, chaque année, entre le mois de juillet et le mois d'août, il sait qu'il est toujours en colère. Est-ce que ça va vraiment? Vous trouvez ça normal, frères et sœurs? Comment tu peux vivre un truc comme ça? Tu sais qu'entre ces 2 mois-là, tu es toujours en colère. Qui te met en colère? Pourquoi tu... La personne disait que la colère vient, ça monte. Et j'ai sensément la colère. Je ne vais pas parler. Je supporte pas ma femme. Je supporte pas mes enfants. Je crie à tout moment. C'est démoniaque. C'est un cycle de contrôle satanico-luciférique dans votre vie sorcellerique. Et un cycle de ténèbres que vous devez quitter. Comment vous trouvez normal de vous mettre dans un cycle de colère au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre? Vous vous mettez toujours en colère. Vous sentez la colère vous envahir. S'il vous plaît, si vous avez un cycle où vous sentez toujours les dégoûts de votre femme, les dégoûts. Lorsque vous arrivez au mois de mars jusqu'au mois de mai, vous ne supportez pas votre femme. Vous ne supportez pas votre femme. Ce n'est pas normal. Une femme est venue me voir, j'ai prié pour une femme. Dans son couple, son mari vit avec elle comme des cousins. Ils vivent comme des cousins-cousines. Donc, le mari va la regarder comme ça l'année. Toute l'année. Toute l'année jusqu'au mois de décembre. Peut-être c'est au mois de décembre qui va la toucher. Qu'est-ce qui se passe dans son couple? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, je ne sais pas, mais il me dit qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie et il veut qu'on reste comme ça. Il est sérieux, il se fâche même. C'est un démon qu'on vous a mis dans la maison. Vous devez nous chercher pour qu'on puisse chasser l'esprit
Il faut chasser cet esprit, libérer l'esprit de ton mari. Il y a des gens qui sont contrôlés profondément par des démons, s'il vous plaît. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. J'ai prié pour une femme qui ne supportait pas du tout son mari. Et ils ont fait une longue période dans leur couple. Il n'y avait plus de rapport intime entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que la femme était dans une maladie, je ne sais pas comment on appelle ça, frigidité, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et cette femme était dans cette maladie. Mais quand je faisais les services, le Seigneur m'a conduit à prier pour elle. C'était un démon qui la rendait fugide. C'était un démon qui la retenait. Mais elle-même ne savait pas qu'elle était démoniaquement contrôlée. Elle ne le savait pas. Moi aussi, je ne savais pas. Je ne vais pas dire que je savais. Je ne savais pas. Quand je prie seulement pour elle, l'esprit se manifeste. L'esprit se met en colère. Je chasse l'esprit. Je chasse l'esprit. Même les diables sont tellement méchants que même les désirs, ils vous enlèvent les désirs. Les diables sont tellement Satan qu'ils vous enlèvent même les désirs. Ils vous enlèvent même votre vie de couple. Ils détruisent les diables. Les diables sont méchants. C'est après la prière, quand l'esprit est sorti d'elle, j'ai chassé l'esprit par la grâce du Seigneur Jésus. C'est alors que la sœur est redevenue normale, redevenue normale. Elle a repris la vie normale. Et c'est alors que la sœur a repris la vie de couple. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé dans sa vie, comment est-ce que c'est... Mais est-ce que vous m'entendez bien? Je vois, on écrit les sons. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le frère Gabriel peut voir? Apparemment, on dit qu'il y a des pirates sur les lives. Ok, vous m'entendez bien? Ok, le son est correct. Ok, merci. Je viens à Paris le 9, je serai à Paris le 9 septembre. À moins qu'on change la date, mais sinon c'est le 9 septembre. Jusque là, c'est le 9 septembre. On n'a pas changé de date. C'est le 9 septembre. On a confirmé la date. C'est le 9 septembre à Paris. Je serai à Paris. J'ai prié pour cette femme. La frigidité est partie. Elle a été guérie à l'instant. Dieu a enlevé la frigidité. Je peux vous assurer, frères et sœurs, que Dieu guérit, Dieu délivre. Il y a des cycles, des malheurs que Dieu peut briser dans une seule prière. Une courte prière peut chasser un géant qui avait amené la mort. Je peux vous assurer, il y a des gens qui ne meurent pas parce qu'ils sont dans de bonnes mains. Il y a des gens qui sont encore en vie parce qu'ils sont dans de bonnes mains, des hommes de Dieu, des servants de Dieu, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu qui vous suit, qui prie pour vous, qui vous couvre spirituellement. C'est comme ça que vous vous sentez encore en vie. Il y a des gens, si vous les enlevez seulement d'une couverture qui les protège, les maladies vont venir comme ça, comme des comme des moustiques. Ça va jaillir dans leur corps parce que les démons vont profiter de l'absence de cette couverture spirituelle. La protection est en Jésus-Christ. La protection est en Jésus-Christ. J'ai vu le Seigneur agir dans plusieurs cas. Je peux vous assurer que Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu agit, Dieu est puissant. Le diable voulait à plusieurs reprises prendre la vie d'une sœur, je me rappelle, à l'église. Je suis allé prêcher dans une église. Après avoir prêché, j'ai commencé à prier pour des gens. Il y a une sœur qui est tombée, elle est tombée, elle n'a pas cogné la tête à terre, mais elle est tombée. On l'a accueillie, on l'a mise à terre. Lorsqu'on la met à terre, sa langue est sortie. Sa langue est sortie. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu ça, hein. C'est la première fois de voir ça. Sa langue est sortie, c'était vraiment là. J'ai vu la langue, j'ai dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Sa langue est sortie totalement, donc c'était waouh. Et les frères, les sœurs, les gens qui étaient autour de moi pendant que je faisais les services, les gens commençaient à parler.
On appelle l'ambulance. J'entendais des gens dire, on appelle l'ambulance, on appelle les pompiers, on appelle les pompiers, sinon la police va venir, on va nous arrêter ici. J'entends, moi je fais les services spirituels, il y a des gens qui parlent, qui commencent à paniquer. Au lieu de prier avec moi, d'être avec moi, et ils commencent à paniquer. Frères et sœurs, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je me suis mis à genoux. Je suis allé vers la sœur. J'ai commencé à parler aux esprits qu'il a contrôlés. Je les ai menacés par le nom de Jésus-Christ. Je les ai chassés par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur les a traqués. J'ai prié. Vous savez quoi? Les esprits sont partis parce qu'ils avaient prévu de tuer cette femme. Mais par malheur, la femme est venue à l'église. Et ces jours-là, Dieu fait les services de puissance dans cette église. Dieu les a sortis. Quand je libère cette femme par la prière, elle me dit, pasteur, je sentais toujours comme étouffé, mais je ne savais pas comment le dire, je ne savais pas comment m'exprimer. Il y a des gens qui vivent avec des étouffements, qui sentent la peur, qui sentent les démons, qui sentent des choses. Vous avez tout le temps peur, vous sentez que la mort va venir. Je t'assure que tu ne vas pas mourir avec Jésus-Christ de Nazareth, avec le Dieu de la Bible. Je peux te promettre que Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Je peux te promettre que Dieu fera des très grandes choses dans ta vie. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Dieu est là. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La grâce de Dieu est sur vous. Que le Seigneur protège vos maisons. Que le Seigneur protège vos enfants. Que le Seigneur garde vos vies. Même si la maladie est là, même si vous avez un cycle de combat, des attaques, je déclare que le Seigneur, le Jésus de la Bible, le Dieu qui nous donne la vie, la santé, l'être, le mouvement, puisse vous protéger au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu protège ta vie, protège le fiançailles, protège le mariage, enlève les troubles dans ta maison. Que le Seigneur Dieu enlève les troubles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu enlève les troubles. Blora sanderega, iskote, balashikara, les ploraska. Il y a une sœur, kendolo santelebekai. Il y a une sœur que le diable a prévue. On veut la frapper par un esprit de mort. Maintenant, on est en train de la chercher. Gaplarasi lebla, iskonto. On est en train de la chercher, mais on la pousse à faire des choses qui ne sont pas vraiment correctes. On la pousse dans un angle pour la tuer. Clara Bazaï, Rokotolobosa. Il y a une sœur que le Bloriskai, le diable est en train de la chercher. On la pousse à faire des erreurs. On la pousse à arrêter avec la prière, à se déconnecter de la prière, à abandonner la prière. Parce que je vois comme une personne qui est en train de se plaindre, qui se plaint de ce qui se passe dans sa vie, qui se plaint de beaucoup de choses dans sa vie. Mais le Seigneur me dit que derrière tout ça, il y a un piège dans sa vie. Parce que les gens qui ont cherché à la tuer, depuis longtemps, n'ont pas pu la tuer. Ils ont cherché à la tuer, ils n'ont pas pu. Alors ils ont décidé de l'enfoncer dans les soucis. Parce qu'elle a beaucoup de soucis en même temps. Elle pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup. J'ai dit, elle réfléchit beaucoup. Elle a beaucoup de soucis en ce moment. Le diable est en train de la chercher. On veut la tuer. On veut la pousser dans un état de dépression et puis la tuer. Il y a un esprit de mort qui vient devant cette femme. Elle doit rester dans la prière. Il ne faut pas qu'elle se laisse aller, sinon l'ennemi va profiter. Je suis en train d'interpeller une sœur. Tu n'es pas mariée, Bloraskande Rebekai. Tu n'es pas mariée, Rablorasai. Ramashandalabasai. Le diable est en train de te chercher pour te faire du mal. Reste dans la prière, Blorasai. Yondo Kozantabalakante. Rekabalabashadarabaya. Menderebesai. Ekarabasai. Je détruis le plan du diable dans ta vie au nom de Jésus. Je condamne le plan de ténèbres maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu te couvre. Rabla Rabba Santé Rebekai. Ramayando Robo Shikerebesai.
Le Seigneur est en train de libérer, de restaurer plusieurs vies en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur vous accorde la victoire. Que le Seigneur vous accorde. Sœur Anita Moudjou, tu es au Loroboussaï. Demande à la Bassande. Tu as une grande fille, Anita Moudjou. Tu as une grande fille, ça me vient maintenant. Une grande fille que le diable est en train de réclamer, contrôler la vie de cette femme, de cette fille. Mais il veut en même temps te mettre dans l'incompréhension avec ta fille. Il veut en même temps te mettre dans l'incompréhension avec ta fille. Il veut vous mettre dans des incompréhensions, l'horoscope. Et il veut que vous puissiez vous cogner des têtes. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a un coup de l'ennemi derrière ces incompréhensions que l'ennemi essaie d'installer entre toi et ta fille. Parce que l'ennemi est en train de vouloir passer par elle pour faire quelque chose qui va te faire monter le cœur et qui va te faire très, très, très mal. Fais très attention. Ne la suis pas, même si elle dévie dans son langage. Je t'ai prévenu. Fais très attention. Ne la suis pas. Kleblo Raskai. Alléluia. Fais très attention. Parce que le diable l'attire pour qu'elle est ta fille, mais pour qu'elle ne puisse pas prier, pour qu'elle ne puisse pas se donner à Dieu, pour qu'elle ne puisse pas. Elle ne va pas prier comme toi. Elle ne va pas aimer les choses de Dieu comme toi. Parce qu'il y a un esprit qu'on a déjà mis pour qu'elle s'oppose à ta personne, elle s'oppose à toi. Mais c'est un esprit satanique, c'est un coup de la sorcellerie familiale. Je brise cela au nom de Jésus de Nazareth. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur protège ta vie, Chloroboscaï. Je vois que tu confirmes, c'est vrai, mais je te demande d'être dans la prière, ma sœur. Alors que tu as confirmé, sois dans la prière. Parce que cet esprit qui l'anime veut t'amener toi à la mort. Et c'est comme ça que je parle. Pour arrêter ça, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Que tous les plans du diable contre ta vie soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Brisés au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te garde et te protège des œuvres du diable. Tu ne mourras pas. Que Dieu t'utilise à réaliser des grandes choses. Que Dieu t'utilise à faire des grandes choses au nom puissant de Jésus. Mekarabasando Robosai. Je vois comme des chiens qu'on a tués, plusieurs chiens qu'on a tués, des chiens qu'on vient de tuer. Le Seigneur me parle de l'esprit des morts qui vient d'être chassé dans plusieurs vies parce qu'il y avait des gens qui étaient tourmentés par des esprits des morts. Esprit des morts que Dieu est en train de chasser dans plusieurs vies connectées ici présent au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme en train de beaucoup pleurer. Et des fois, tu pleures dans la salle de bain. Tu pleures souvent, des fois, seule dans la salle de bain parce que tu n'aimes pas que ton mari puisse voir de temps en temps comment tu pleures parce que tu te sens humilié. Tu te sens humilié par ce que tu traverses. Tu ne sais plus comment te justifier, comment te défendre parce que ce que tu vis dans ton couple t'humilie tellement que tu ne te sens pas valorisé. Pour toi, tu n'as plus de valeur. Mais le Seigneur me dit qu'il va te visiter, que je t'annonce une visitation par rapport à l'humiliation. Il y a quelque chose qui t'humilie, qui te finit la fierté des femmes et tu ne te sens pas valorisé à cause de cette histoire qui te ronge, cette histoire qui te dérange. Dieu me dit, ne te sens pas humilié par rapport à ce que tu traverses. Il y a Blouraskai, des histoires dans la Bible qui doivent t'inspirer confiance. Tu n'as qu'à lire l'histoire dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2. Le Seigneur me dit de te dire qu'il y a un cantique nouveau que tu vas chanter comme Anne. Ainsi, je parle à une femme qui se sent humiliée, qui pleure dans la douche, qui pleure souvent seule. Tu vis cette situation d'humiliation. Ça fait plusieurs années que tu vis dans
Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Jésus pour tout. Merci pour ce moment. Merci Jésus-Christ. Je déclare la bonté, la bénédiction dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes sœurs, mes frères. Couvre-le par ta bonté, Jésus. Étends ta main. Rabla rabasai, kontolo bosai. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci de nous avoir soutenus pendant ces moments au nom de Jésus. Ce sont des réalités, frères et sœurs de live. Ça vient toujours nous déranger des fois comme ça. Excusez-nous pour ces dérangements. On va toujours faire mieux par la grâce du Seigneur. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut prier parce que le Seigneur va faire des bonnes choses dans plusieurs vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je déclare la grâce de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde la protection et la faveur. Que le Seigneur vous protège des malheurs, des maladies au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction de Dieu dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu veille sur vous et qu'il vous accorde la victoire. Que l'esprit des morts s'éloigne de vos familles au nom de Jésus-Christ. Yondo lobo san de Rebecca, yanda labako robosa, rabashin de Rebe santo roboskai, banda labako, rabayako robosai, ramayako. Il y a une femme en France, son mari boit, il aime boire. Mais ça me parle d'un esprit de mort qui suit cet homme. Il aime boire, il boit tellement que l'esprit des morts est en train de les réclamer. Il y a une sœur en France, l'esprit des morts réclame son mari. Et ça me demande de dire ça pour qu'elle puisse s'élever dans la prière. Parce qu'il y a un esprit des morts qui réclame son mari. Son mari boit. Il aime boire. Si tu les laisses comme ça, si tu les laisses sans prier, ça va t'amener à vivre seul parce que il y a comme un piège. C'est comme si, je vois comme une bouteille dans laquelle on a mis des choses à l'intérieur, mais lui-même, il ne voit pas, toi-même, tu ne vois pas. Mais on a mis des choses. À chaque fois qu'il prend des bouteilles pour boire, il y a comme des choses, des saletés qu'on met à l'intérieur. Mais ça va lui créer une maladie sous peu. Que la manderiasco. Tu venais même de lui dire d'arrêter de boire. Ramandelebe santo robosai. Je prie que Dieu te fasse grâce et que ton mari soit délivré de ça. Je prie que Dieu te fasse grâce et que ton mari soit libéré de ça. Au nom de Jésus-Christ, Rabba Santa Labasai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit des morts. Rabba Labasai, je prie pour les poumons malades, les broskai, Ramaya, insomnie sévère, bactéries, olabloskai, de l'essard, au nom de Jésus, que le Seigneur te voie et qu'il te localise, qu'il t'accorde la guérison, NJC l'essard, reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare la bien de Dieu dans la vie de Anine Tseno, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te visite, reçois la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu t'accorde la victoire, je te bénis au nom de Jésus. Monique Dagba, reçois la grâce de Dieu, que Dieu vous protège, que Dieu vous accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Il y a une famille qui vit dans trop d'incompréhensions, mais ça ne commence pas aujourd'hui, c'est souvent des incompréhensions qui reviennent. Ils sont tout le temps dans des disputes, dans des incompréhensions. Et ça me parle que cette famille doit arrêter ces incompréhensions. Il y a un esprit de mort qui arrive en fait dans cette famille-là. Je ne sais pas c'est quelle famille, mais je parle d'une famille qui vit trop dans des incompréhensions, des disputes, des incompréhensions. Il y a un esprit des morts qui arrive, il faut éviter ça. Si tu es d'une famille où il y a trop de disputes, trop d'incompréhensions, vous ne vous entendez vraiment pas tout le temps, il y a trop d'incompréhensions, vous devez faire un effort pour sortir de là. Que la grâce de Dieu visite Angela Chingila au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu visite Gnolou Odilon au nom de Jésus-Christ depuis la Tunisie. Que la grâce de Dieu te visite. Que Dieu t'accorde les ouvertures Gnolou Odilon. Que tu perces et que les portes s'ouvrent devant toi selon ta prière au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur Christian Matondo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je bénis ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous accorde la victoire. Daria Mbumba, je bénis ta vie et je condamne toute langue qui parle contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction sur Marie Stella Akoli. Marie Stella Akoli doit être dans la prière, doit être dans la prière. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Marie Stella Akoli. Tu dois être dans la prière. Plora. Marie Abigail, depuis les USA, je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est vendredi, nous sommes aux États-Unis à Houston. C'est vendredi, nous sommes aux États-Unis à Houston. Venez nombreux, si vous êtes aux États-Unis, venez participer dans l'activité de Houston. Ça sera des très, très bons moments. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous protège, que Dieu vous fortifie, mes sœurs, mes frères, que Dieu vous accorde la victoire. C'est vendredi, nous sommes aux États-Unis. Je répète, c'est vendredi, nous sommes aux États-Unis. Ça, c'est Paris. Mais je répète d'abord le vendredi, on est aux États-Unis le vendredi, le 19 août, nous sommes aux États-Unis. Alors je demande à tous ceux qui connaissent des amis et connaissances aux États-Unis de les inviter, de les envoyer dans l'activité. Nous avons la possibilité de vous recevoir, la salle est grande. Nous vous invitons à venir, nous allons faire cette activité que pour vous, pour prier, pour vous bénir. Alors ne manquez pas cette activité. Le 9, par la grâce de Dieu, le 9 septembre, par la grâce de Dieu, nous serons à Paris, le 9 septembre, par la grâce de Dieu, nous serons à Paris pour une activité. Le 9 septembre, par la grâce de Dieu, nous serons à Paris. Je vous demande de ne pas manquer, nous serons à Paris au 995 route de Saint-Leu à Épinay, donc Épinay-sur-Seine. Le Dieu qui délivre. Nous allons prier, nous allons travailler par la grâce de Dieu. Ça sera des très, très, très bons moments. Il ne faut pas venir. Moi, j'ai hâte dans les deux activités, aux États-Unis et à Paris. Si vous avez des problèmes, des maladies, des problèmes démoniaques, des nuits agitées, des enfants qui vivent des cauchemars, des problèmes sorcelleriques, des choses comme ça, démoniaques, préparez-vous pour ces deux activités. À Paris, venez, ne ratez pas ça. Il n'y a pas trop de place. Maximum, je crois, c'est 450 par là, je ne sais plus. Donc, il ne faut pas vraiment rater. Il ne faut pas venir en retard parce que si vous manquez de place, on ne saura pas vous placer. Ils vont bloquer la porte. Donc, il faut venir à temps pour ne pas rater la place. Nous serons à Paris. Si vous habitez Paris, vous êtes dans la région parisienne, vous êtes dans les provinces, venez le 9 septembre. Nous allons vivre des temps de gloire. Nous allons passer des temps glorieux. Ça sera extraordinaire. Ça sera merveilleux. Dieu va se manifester. Dieu va nous parler. Dieu va nous guider. Dieu va nous bénir. Nous y passerons des moments de gloire, des moments d'édification. Ça sera des moments de bénédiction. Donc, pour ceux de Paris, ne manquez pas le 9 septembre pour cette invitation, le Dieu qui délivre. Et pour les États-Unis, c'est vendredi, nous sommes là. Nous commençons à 23h à Houston. Ça sera merveilleux. Alors, n'hésitez pas, venez réserver votre hôtel, réservez la date, venez nombreux. Ça sera merveilleux. C'est sur place. Dieu va vous bénir, Dieu va vous visiter. Ne manquez pas ces événements. Si vous avez un don, vous voulez soutenir notre ministère, vous voulez... Je vous demande, frères et sœurs, de ne pas hésiter d'envoyer vos dons dans l'adresse que nous plaçons. Donc, envoyé par PayPal, envoyé par le site web, envoyé par PayPal. Vous pouvez faire un don directement par transfert email. Faites un don, soutenez ces activités. Ça nous coûte les activités et surtout l'activité de Paris, ça nous coûte toujours parce que Paris, c'est toujours beaucoup plus cher et surtout, c'est en euros. Donc, si vous pouvez nous soutenir, ce ne serait pas un péché de soutenir l'organisation de l'activité, tout ce qui vient avec l'activité. Donc, on a besoin de dons, on a besoin de partenaires. Si vous n'avez jamais aimé notre page, vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, YouTube, le compte YouTube Pasteur Thierry Tchinkola, où vous êtes maintenant en train de suivre, je vous invite à vous abonner. C'est pas compliqué, allez juste vous abonner là où c'est écrit abonnement, je crois que c'est là. Vous allez juste vous abonner et vous allez faire le pouce et ça va vous permettre de rester au courant de tout ce que nous diffusons. Donc, vous serez tout le temps notifié lorsqu'il y a un live, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous prie de vous abonner. Sentez-vous à l'aise de vous abonner
et nous allons vous accompagner. Si vous habitez Paris, chers frères et sœurs, si vous habitez Paris et que vous êtes intéressés à notre ministère, vous voulez contribuer, vous voulez travailler avec nous, vous voulez participer dans cette activité, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Je ne sais pas si on peut me mettre les numéros. Alors que nous donnons les offrandes, nous faisons des dons. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui donnent. Envoyez-nous vos numéros, envoyez-nous les contacts. On a besoin de contacts. J'ai besoin des numéros d'ici pour que les gens qui sont en France, à Paris, puissent nous contacter. Contactez-nous, on a besoin de personnes qui vont nous aider à bien faire les choses, à bien organiser. Alors, venez à Paris, envoyez les contacts, envoyez les numéros, faites-nous des messages WhatsApp et ça va nous aider, n'est-ce pas, si le bien-aimé peut mettre les numéros, ça va nous aider à bien vous servir. On a besoin de vous, on a besoin que vous puissiez nous aider à bien réaliser l'activité de l'autre côté au niveau de Paris. On a besoin d'aide, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas encore aimé, aimez la page Facebook de l'Église, aimez la page Facebook de l'Église, s'il vous plaît. Vous pouvez contacter beaucoup plus. Je vous conseille de contacter les deux numéros, mais vous pouvez envoyer plus dans le deuxième numéro. Ça va nous permettre d'être à jour avec vos informations. Donc, ça va nous permettre de vous contacter pour organiser. Envoyez seulement le WhatsApp. Envoyez seulement le WhatsApp dans ces deux numéros, s'il vous plaît. Envoyez seulement le WhatsApp pour dire que je suis disponible pour servir avec vous, pour travailler avec vous. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui veulent nous aider. Merci à tous ceux qui veulent soutenir cette activité. Ok. Tu es diagnostiqué schizophrène. Tu entends des voix. Ok. Mais il faut venir à l'activité parce que je vais prier pour toutes ces personnes qui seront là. Donc, à Paris, si vous avez des problèmes comme ça, vous entendez des voix, venez, on va prier pour vous. Le Seigneur guérit encore. Alors, si vous pouvez vous inscrire, envoyez-nous des textos pour qu'on puisse identifier les personnes qui sont à Paris, s'il vous plaît. Ça va beaucoup nous aider. On a besoin des bras, des frères comme des sœurs. Ça va nous aider. Au niveau des États-Unis, nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui sont là-bas pour nous aider. Mais au niveau de Paris, on a encore besoin des bras. Merci à tous ceux qui se disposent pour nous aider, nous accompagner à Paris. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. Prenez soin de vos maisons, prenez soin de vos vies, prenez soin de vos familles, prenez soin de vous-même. Nous vous aimons. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai débordé. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore... Merci, Sœur Thérèse. Sœur Thérèse Kunguzi Imani, est-ce que tu peux contacter les numéros qui a sur affiche de Houston. Sœur Thérèse, tu peux contacter les numéros, on aura besoin de toi. Merci Sœur Thérèse, Dieu te bénisse. Donc, si vous pouvez nous contacter, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. On a besoin de vous, abonnez-vous dans notre compte, abonnez-vous. Merci de référer aussi notre compte YouTube. Merci de partager la vidéo après. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, merci d'aimer la vidéo, merci de la partager pour la plus grande division, pour édifier aussi le monde. Ce serait une très bonne chose. C'est une façon pour vous de nous soutenir. On a besoin de votre encouragement. Merci de partager nos vidéos. Merci de partager nos publications pour les activités que nous aurons à Paris et à Houston. Merci de les partager, s'il vous plaît. Je vous bénis. Je vous dis merci pour votre temps. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi à 18h. Le mercredi, ce mercredi à 18h, je veux vous parler de ça. Je vous prêcher sur le même sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Préparez-vous à mercredi. On se retrouve le mercredi en ligne à 18h. Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye bye, chers frères et sœurs. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Vous qui n'êtes pas encore abonné. Bye bye. Voyez les numéros, surtout pour ceux qui vont nous aider à Paris. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous garde. Merci.